syndrome that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did. Hey, tout le monde, c'est Asmatique, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du côté obscur. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, un magnifique gameplay de la part de Kheox. C'est une nucléaire à la Manowar, viseur Hello en hardcore, et une très jolie nucléaire, je trouve, parce que vous allez voir, il va bien rusher tout au long du gameplay. Et aujourd'hui, les gars, si vous vous retrouvez en ma compagnie, c'est pour une très très bonne information, puisque nous avons des informations sur le prochain DLC 2 qui va sortir de Call of Duty Black Ops 3. En effet, on connaît déjà les dates de DLC, elles ont déjà été leakées, donc le prochain DLC sortira sur PS4 le 5 avril prochain, et sur Xbox One et PC un mois plus tard, comme d'habitude. Donc le screen a été trouvé sur le Twitter d'un américain pour changer. C'est du code, donc il faut aller déchiffrer un petit peu tout ça et on va voir un petit peu ensemble. Donc hop, le screen s'affiche maintenant à votre écran et on va voir ensemble que ça parle principalement du zombie. Déjà, tout en haut du rectangle bleu, juste au-dessus, vous pouvez voir N115. 115 qui est un numéro qu'on retrouve vraiment beaucoup dans le zombie, que ce soit de Black Ops 3 ou de d'autres Call of Duty, on a beaucoup retrouvé le numéro 115. Ensuite, on retrouve très souvent le mot DLC2, donc ça veut dire ce que ça veut dire, et également le mot Island, qu'on retrouve à énormément d'endroits, qui nous pousse à penser que la prochaine map zombie sera sur une île. Ensuite, on retrouve plein de mots qui pourraient un petit peu spécifier l'aspect de la map, donc comme le mot Cloud Ambient, qui veut dire nuage ambiant, donc pourquoi pas dans du brouillard ou une ambiance assez nuageuse, etc. Vous voyez un petit peu le côté mystérieux. Ensuite, on retrouve des mots, on sait vraiment pas ce qu'ils font là, on retrouve le mot Trash, qui veut dire poubelle en anglais. On retrouve le mot Rainflat qui veut dire regonfler en allemand, donc est-ce que ce sera toujours une map comme Der Eisendrech en Allemagne, on sait pas du tout. Au quatrième paragraphe, on commence à retrouver des mots un peu intéressants puisqu'on retrouve Electric Ability Short Robot. Donc Electric Ability, ça signifie bien une habilité électrique, donc pourquoi pas une sorte de pouvoir, un peu comme on avait eu avec l'arc, pourquoi pas un autre truc un peu dans ce style-là. Ensuite, on retrouve le mot robot plusieurs fois dans le code. Je n'ai pas réussi à trouver d'explication particulière à ce mot-là. Peut-être qu'il y aura un robot, je ne sais pas. N'hésitez pas à laisser vos avis si vous en avez. Ensuite, un peu plus bas, ça devient intéressant. On retrouve le mot Warlord, qui veut dire le dieu de la guerre en anglais. Et on voit Elec Warlord Damage 2. Donc ça voudrait dire qu'avec notre pouvoir électrique, on pourrait infliger des dégâts à ce Warlord, qui serait pourquoi pas un nouveau boss zombie, et je pense que c'est bel et bien le cas. Dans le paragraphe juste en dessous, on retrouve écrit Warlord Lower Damage, ce qui veut dire des dommages pour le Warlord, mais moins fort. Et ensuite, juste en dessous, on retrouve le mot explosion, donc des explosions que ce soit du décor ou peut-être encore un autre pouvoir, on ne sait pas du tout. Ensuite, dans le dernier paragraphe du rectangle bleu, on observe Body Glow Warlord et aussi Eye Glow Warlord, ce qui veut dire que ses yeux vont briller un petit peu, donc Body, peut-être que quand on aura réussi, voilà, ses yeux vont se mettre à briller, on sait pas du tout, c'est que des suppositions. Ensuite, juste en dessous, dans le paragraphe qui suit le rectangle bleu, on retrouve le mot flashback écrit, donc pourquoi pas un flashback d'histoire de zombies, un flashback dans le passé. Et dans le dernier paragraphe, on retrouve des mots très intéressants comme Jetpack Warlord Duke, donc pourquoi pas un jetpack, on sait pas du tout ce que ça veut dire, et surtout le mot le plus important, zombie, et encore une fois en dessous, zombie. Donc ça confirme bien que ce sont des rumeurs uniquement pour le zombie, pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qui est des autres maps. Et bien voilà, on a fait le tour un petit peu ensemble des nouveautés qu'il y aura sur la map zombie de ce DLC 2. Moi c'est Asmatique, j'ai juste rejoint la Obscure Clan, donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne si le commentaire vous a plu. Laissez un petit like aussi pour féliciter le player si vous avez la flemme de l'écrire dans les commentaires. En tout cas, je vois la lumière qui revient, donc pour ce qui est du côté obscur, c'est terminé, mais n'hésitez pas à rester actif pour les prochaines nouveautés qui vont arriver sur ce DLC 2, on vous tiendra au courant de toutes les informations nécessaires. Sur ce, c'était Asmatique, vraiment content de vous avoir parlé pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez ciao, bye bye tout le monde, peace. Sur ce, c'était Asmatique, vraiment content de vous avoir parlé pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez ciao, bye bye tout le monde, peace.